dans tous les villages, dans toutes les communes de notre département et de toute la France. Merci à ces bénévoles, sans eux on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci aux donateurs aussi, ceux qui font les dons, ceux qui participent. Donc merci à tous pour cette cause vraiment noble et juste. Merci beaucoup. Merci à toi Paul, vraiment encore merci et d'avoir fait ce grand défi. Henri, oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Non, toi, je pensais que tu allais me demander ce qu'il avait pensé de la descente. Ben oui, justement, tiens, prends ma place d'animateur, tu vas te débrouiller, tu vas le faire. J'y venais Rémi, rassure-toi, j'y venais. Oui, je voulais donner quelques nouvelles de notre ami Rémi Molinari, le caricaturiste. Donc en effet, Laurent, pendant qu'il est resté 5 minutes inanimé, pendu à la corde, il a fait un petit malaise vagal. Je crois que c'était dû au froid, à l'altitude. Et j'ai dû lui mettre quelques gifles, discrètement, hein, pour qu'il revienne à lui. Il est encore un petit peu pâle, mais ça va. Ça s'est bien passé, bravo. Et il a fait deux très très beaux dessins. Et on les mettra tout à l'heure aux enchères, et les bénéfices iront au Téléthon. Et tout à l'heure, Rémi fera des caricatures de tous ceux qui le souhaitent. Et ces caricatures, chacun donnera ce qu'il veut et partira avec sa caricature. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous tous. Et bon week-end à tous. Merci. Merci Laurent et bravo à Radio Paris.